VOD. VOD, VOD, VOD. Nous voilà. C'est pas du tout là. Je vais retenter le boss que j'ai pas réussi la dernière fois. Bon, VOD. Bah, tu peux me dire bonjour, VOD. C'était où par contre? Je me rappelle plus. En porte de l'académie? Salle de classe de l'école? Bah non, c'est pas la salle de classe de l'école. Et où? Je me rappelle pas. Ah si, ça doit être ça, ça doit être la grande porte. Je sais plus. Salut VOD 2. Ah, sur Elden Ring, ça commence à faire pas mal de VOD. Hein. Ah non, c'est pas là que je... Ah non, c'est pas là du tout. Non mais faut que j'arrête de... Je reviens par réflexe là. Faudrait que je change de tenue aussi. Hein. Mais je veux essayer... Où c'était en fait? Rien là, hein. Salle de classe. Salon de débat. Le salon de débat. Pudeur. Et où? Je vais voir où j'apparais si je prends cette porte-là. Je me rappelle plus où c'est. Parce que j'avais pas un point de TP pile poil à côté du boss. Allez. Ah mais c'est pas malin d'attaquer le boss alors que j'ai 8000. Très con même. Je l'ai déjà retrouvé où elle est. Et je vais voir ce que je peux en faire. Non mais j'ai plus le droit de manger. Est-ce que tu as le droit de boire? Ça peut aider. Ah bah non mais j'apparais là. Mais je vois pas où c'est. C'est pas l'église du coucou? Bah je vais visiter. Hein. Merci Gizou. Voilà, non c'est pas là, il y avait les trucs. Je me rappelle, j'ai dû... Bah ça veut dire que c'est par là, alors salle de classe ou salon de débat. Je vais mettre salon de débat, ça doit être le salon de débat. C'est là. Mais attendez, pour passer un niveau, il me faut quoi? Faut beaucoup quand même, faut 8000. Je vais essayer de nettoyer un petit peu la cour. Pour avoir un petit peu de runes. Compenser avec celles que j'ai dans mon inventaire. Prendre un niveau. Et là on attaque... Là on attaque la suite. Tac, je vais prendre mes loulous. Je sais que ça, ça donne 1000 je crois, ou 1005 ce truc là. Enfin, déjà ça te fait. Merde. A chaque fois c'est au moment où tu down en mana qu'elle tourne. Ouais. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup parce que je galère pas à la tuer. Surtout que je prends les loups vraiment par fainéantise. Je sais qu'après je vais de toute façon... qu'après je vais de toute façon retourner pour récupérer ma magie. Tout ça. Retourner au feu. Bon, je m'en fous de dépenser de la mana pour les loups. Chier, les loups ils n'ont plus rien à faire. Ah, c'est un pacing juste nul hein, mais je l'étends un tout petit peu pour pouvoir faire ça une ou deux fois et parce que je sais que après avoir fait, enfin quand j'aurai commencé le boss, il y a des chances pour que j'abandonne. Du coup si j'abandonne, ça veut dire que je vais perdre mes runes, ou si je perds mes runes ou qu'à un moment j'arriverai pas à les récupérer. Bah, ça m'emmerderait pas mal hein, j'avoue. Donc on va juste atteindre 16 000. Mais pas, voilà, on le fera au pire avec les... Oh, il est trop mignon, regardez! Mais non, mais c'est un cadavre. Il est mignon quand même.
On va juste faire une ou deux fois et puis voilà. Et après il y a les mages là-haut. Je sais pas si mes loups ils peuvent me suivre, ça m'arrangerait. On fait cela. Les loups ils attaquent ou pas les loups? Non, ils n'ont pas l'air. Ah si, non, ils n'ont pas l'air. Ils ont disparu je pense. Ah non, ils peuvent pas me suivre peut-être. Oui, c'est plus de ça. Bah ça va en fait hein. Je vais pas le refaire, je vais juste prendre après une gemme qui me donne 4000 et puis ce sera bon hein. Comme ça je pourrais l'ivulup tranquille. Ah, je peux même faire lui. Des rollers. Une question, je me demandais pourquoi hier j'avais beaucoup de décalage sur ton stream comparé à celui de The Jux. Je viens de voir, j'ai pas la latence basse sur ton live. C'est une option que tu actives ou pas? Ah bah non, non, je fais rien. Qu'il y a un décalage hein. Et je comprends pas. Je comprends pas pourquoi. Je sais pas d'où ça vient. Ça rend dingue. Pas mal 1500, t'as vu? Il est facile à tuer quoi. Je vais prendre les trucs. Ou je revois les options de stream. Ça fait plus longtemps que j'aurais dû passer sur OBS. Normal. À Streamlabs. Et je pense que je vais faire ça d'ici ce week-end. Comme ça j'aurais pu me poser la question. Et tout ira bien. Ça me donne 4000, ça me donne combien? Ah c'est trop peu Misty. Regardez combien il me manque. Ils te disent pas combien de runes tu obtiens. Non, je vais faire utilisation multiple. C'est stylé, la dernière pareil. Vous faites du bon sens. Oh, je ne sais pas. Pour moi, la vie n'a aucun sens. Mais depuis que je suis toute petite, hein. Je n'ai pas de la blasitude. C'est juste... Voilà. C'est juste que, déjà jeune, je comprenais pas des fois dans les... Je sais pas, il y a ça dans les Simpsons, par exemple, ou dans d'autres trucs, genre... Il faut poser une question à Dieu, qu'est-ce que c'est le sens de la vie? Je me disais, mais... Ouais... Il n'y aurait un sens. Et quand j'étais jeune, je me disais déjà ça. Voilà. Et je suis toujours d'accord avec moi-même. Je suis toujours trop forte, en fait. Mais ça rend pas la vie moins intéressante. Ça fout juste moins la pression. Mais attends, sur tous les lettres, sur le tien. Oui, mais... Ah, sur Jux aussi? C'est-à-dire, est-ce que tu parles... voilà, tous les petits streams qui sont pas partenaires? Si tu me dis que Jux, il n'y avait pas de décalage avec moi, oui. Ouais. Ah non, c'est vrai que je peux pas. Ah, c'est ça, chiant. Bon, en tout cas, j'ai l'évolup. On a plus que 300 runes, donc on s'en fout complètement de les perdre. Ok. Et ben, je crois que Jux aussi utilise Streamlabs. Mais il y a ça aussi, hein. C'est que... Selon le truc logiciel de streaming, il y a des options un peu différentes. Il faut les mettre un peu différemment aussi. C'est pas toujours très clair pour moi, j'avoue. C'est ok. Je me rappelle, j'étais obligée de me taper ça à chaque fois. Non, j'étais pas obligée de me taper ça à chaque fois, c'est pas vrai. Passer par ailleurs. Mais oui, je passais par ailleurs! Qu'après en fait c'est pas plus court par là où je passais et puis je risquais plus de mourir en fait. Je sais pas, moi je passais par là, c'est un raccourci, mais en fait je me rends compte que c'est pas des masses un raccourci.
Ou alors, je suis peut-être censé avoir un feu plus proche. Je sais pas. Je vais changer d'équipement. Le truc qui résiste le mieux à la magie. Dire ça, je pense. Et niveau casque. Bah niveau... En fait, niveau casque, il n'y a rien qui est mieux. Il y a juste rien qui est mieux. Ah, niveau gant. Je vais prendre un gant aussi qui résiste à la magie. Et pareil pour les trucs. Pour le reste. Et tout est naze. Super. Hein. Bah, j'ai rien aussi. Ok. Ouais, oui, c'est mes trucs d'astrologue. Bon. Faut que je me dépêche de faire la première phase. Et que je meure pas. Là déjà je vois le petit qui chante là. Tuez les gosses hein, rappelez-vous. Non je suis dé... J'aurais pu éviter ce deuxième bouquin. Let's go. Où je puisse back. Je peux. Oh j'ai fait beaucoup plus mal non. Ok, trop tard, je m'en fais. Merde, dégage! Vite, 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 vite. Punaise, elle est tellement mieux cette épée! Ça change, hein! Oh, grave! J'ai pas l'impression d'en avoir ce soir par rapport à hier. Ok. Bizarre quand même! Hein, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, je vais mourir! On veut de. Et merde, a fait sa lune là. Je fais vraiment pas grand chose. Non, non, non. T'as mort, tu t'as mort, si pépé. Mais oui, non, mais là je me rappelais plus des trucs. J'ai fait mes loups trop tôt et tout ça. That's my bad. On va y arriver beaucoup mieux déjà. Ça va aller, ça va aller. Par où passer pour que ça me fasse un... Je sais pas. Renala, stop, montre ta lune, mais grave. On a compris que t'étais fière de ta lune, hein. Au bout d'un moment, poste aux autres. Ah normalement, je descends à l'autre qui est plus haut. Là j'ai eu peur. Franchement, je mets pas plus de temps en passant par là. Hein. Parce que la dernière fois, je me faisais chier à passer par l'endroit où il y a tous les mobs qui me tirent dessus, là. Du coup, je prenais des dégâts avant d'arriver. On a dû faire ça, hein. Putain, ça m'énerve. Je suis sur une connexion 4G un peu capricieuse. Une pauvre barre ce soir. T'arrives à voir? Eh, ça va, hein. Ça va, t'as pas une 4G qui pue trop. Attendez, on va... Voilà. On anticipe la mort. Aussi, tu vas balancer tes lunes après? Oh bah dis donc j'y tiens trop moi. Y'en a, ils en ont plein. Moi je n'ai pas plein.
La suite, la suite. J'entends rien. Ah, là. Let's go! Arrête de montrer ta rêve, Nala. Je suis sûr que si je fais ça... Attends. Ah, à chaque fois je grid. Non mais ça! Ouais, je peux faire ça. Là je suis trop lent. Let's go! Et j'attends. Là, je suis allé où? Ah, pourquoi j'ai esquivé? Et voilà, et là, c'est encore ce truc de sa lune là. Mire. Trop sympa. Et la lune s'est foutue de ma gueule. Allez. Et oui, j'ai fait rimer gueule avec gueule. Comment pour boire ton jus de framboise? Accro mec. Accro. Ah, je suis plus très sûre de mes appuis quand je descends là. Je trouve que j'ai perdu un petit peu en assurance en prenant des niveaux. Enchanté, c'est réussi. Mais bien sûr! Bon, eh, franchement, on progresse, je trouve. Moi, ça va, ça me satisfait. J'ai même fêté ça en me servant un petit verre de flotte. Ah, je suis un peu, voilà. Jus de framboise, flotte, je ne me prive de rien, hein. Next step. Elle a eu le temps, elle a même pas eu le temps d'entrer en phase 2. Je fais plus ça. C'est où le truc? Connard. Où les autres gosses? Ah.
gosse qui chante en Sims là. Je vais me la faire, je vais me la faire. Ah déjà la lune. Je suis obligé d'attendre. Allez loup, défaut la gueule. J'arrive les loups, j'arrive. Arrête, j'ai à peine de t'attendre. Sa lune. Tu te caches dans ta lune. Tu ne pourras pas toujours faire ça, tu n'auras pas toujours l'âge. J'ai fait B. Je vous promets que j'ai fait B, mais je courais en même temps et ça va pas. Putain. Pourtant je me sens bien, mais la moindre erreur me one shot. Il QV. Oh je sais pas, ça doit être une croupie référence 2021, quoi, j'imagine. Tâte la pompe. Ah, moi, je suis team robinet, hein. J'achète jamais de l'eau. Bon! Si je peux monter un peu plus. Ah, je pourrais aller jusqu'ici en fait. Je pourrais monter sur le côté, je pense. Je pense que j'ai le temps. Je devrais peut-être mettre full popo de... Allez, me garder seulement deux popos de mana. Tout le reste de popos de vie. Ah, pourtant, j'ai 4-4, je crois. Mais en fait, là, j'ai besoin juste de vie. Mais en même temps, il faut que j'ai le temps. Et il faut que j'ai un réflexe de le faire. Ouf, c'est gosse! J'ai raté. C'est que je les vise pas parce qu'il y a tellement de mobs autour que ça risque de viser un qui est derrière. Ah, ça va t'écraser! Ça va t'écraser, gamin! J'avais dit. Putain, ils arrêtent pas d'envoyer des trucs de régal! Déjà là, j'ai du mal à la viser alors qu'elle est immense et devant moi. Sur Discord, la plateforme. Ah, je l'ai pas vu la plateforme. Ça va être fixe, je crois.
Oh, il m'a défoncé mes vies. Un petit peu la suite. Non, j'allais esquiver, j'étais. C'est-à-dire, je m'assure un petit peu la suite. Je prends une popo de soin. Ah, je suis tellement one shot tout le temps, j'y vais. Mais j'ai pas le temps en fait de prendre la popo. Là, j'allais esquiver et le faire, mais comme ça m'arrive parfois, ça veut pas esquiver parce que je suis en train de courir. Quand j'ai fait ça, j'ai voulu faire ça, et ben voilà. Le problème, c'est que ça reprend la course plutôt que d'esquiver. C'est la même touche en fait. Courir et esquiver, c'est la même touche. Et du coup, là, typiquement, là, j'essaie d'esquiver. Voilà. Faut vraiment que je spamme de fou pour que ça marche. Parce que sinon, le jeu prend ça comme arrêter de courir et reprendre la course juste après. Au lieu de arrêter de courir pour esquiver. Et ça, ça m'emmerde. Donc, faut que je pense à ça. Ah oui, j'avais dit que... Ouais, faut que je tente. Bon, j'ai tenté. J'ai tenté, en fait fallait que je continue. J'active un peu à la con. Ah, mais on fait des expériences, c'est ça aussi. Elle dit que je vais reprendre une popote de vie en plus, j'ai pas fait. Faut vraiment que je trouve les bons moments pour boire ma popo. Et surtout que j'arrête de courir avant d'esquiver pour que ça esquive vraiment. On est reparti hein. N'empêche, à chaque fois je récupère mes runes. J'en ai 300 mais j'y tiens. Ah, m'a cramé l'eau. Regardez en l'air pourtant, hein. Voilà. Je spam parce qu'il y a une cinématique assez longue. On va attendre. D'accord. J'ai aimé ce couret, du coup j'ai pas esquivé. Hey nous, faites du truc. J'ai pas du tout fait gaffe qu'elle a invoqué les loups. Oh putain, mais voilà, ça m'énerve. Chaque fois, c'est une erreur en partie de ma part. Bon, là, j'avoue... Bon dodo, bisous futé. Bon courage. Et ouais, mais bon, ça se comprend que je les confonde, non? C'est les mêmes. J'ai pris pour mes loups et du coup, ils m'ont attaqué tous les trois. Bah, bien sûr qu'ils m'ont éclaté la gueule. En plus, eux, ils font pas des dégâts magiques. Et moi, j'ai pris full protection contre les dégâts magiques. T'es sûr que tu les avais pas vus? Déjà invoqué le...
T'as déjà invoqué le dragon? Ouais. Mais bizarrement, c'est pas su... Enfin, la toute première fois, oui. Il m'a fait mal. Je ne savais que faire. Et puis en fait... En fait, bah c'est... Je sais pas. J'ai l'impression que c'est pas celui qui reste le plus longtemps. Mais elle l'a invoqué pas beaucoup de fois. Je pense que les loups, c'est ce qui me gonfle le plus. Ou le truc là qui te court dessus. Je sais. Elle invoque des dragons, tout à fait. Elle invoque un peu tout. Ça veut dire que moi aussi je pourrais invoquer un dragon un jour, parce qu'elle invoque, on dirait, des trucs que je peux invoquer aussi. La magicienne, elle m'emmerde là. Juste une bonne magicienne, hein. Je fais des invocations et tout. Et le problème, c'est pour ça qu'il fallait vraiment que j'aie une bonne épée, c'est que en tant que magicienne, elle ne craint pas les dégâts magiques. Ce qui, du coup... Elle les craint pas. Elle, ça lui fait vraiment pas beaucoup de dégâts. Voilà, ça passe à travers, je ne sais pas. On y arrive. Merci, merci. Ça va faire, ça va faire. Super. Ça va faire, ça va faire super bien même. Elle le fait deux fois. Je le teste. J'ai quand même pris un. Mais je me retrouve vite, j'en peux plus. C'est dur d'être au cac, j'ai pas l'habitude. Je fais pas attention à tout ce qu'il faut faire attention. Je mets plus de temps à atteindre le mob, enfin le boss, que de faire le boss. Et ça aussi, ça m'énerve. J'ai pris l'habitude de porter un masque de pierre de 17 kg. Bah écoute, à défaut de porter une armure, j'ai choisi le masque de pierre qui donne un swag indéniable. Je trouve que j'ai fait le meilleur choix. Mais je peux la faire, hein. Faut juste que j'arrête de faire de la merde en permanence. Ça fait chier là. Donc, faut faire attention aux invocations, faut faire attention à ses sorts. Faut faire attention... à pas se prendre son premier truc dans la gueule ou son deuxième. Elle en fait deux. Elle en avait jamais fait deux d'affilée, elle en fait deux d'affilée en fait. Faut faire attention à pas prendre de dégâts avec elle. En tout cas, pas, pas mettre le truc qui me fout une barre de vie entière là. Bien, quand ils sont tous réunis, c'est très bien. Dégagez. Vous allez me gêner pour esquiver. Il est là-bas. Un coup.
esquivé, pourtant vous avez vu. Ça marche, hein. Oh merde, j'aurais dû prendre ma posture au style de l'aussi de la mana. Voilà, là du coup je peux rien faire. Faut que je fasse en sorte que la ligne ne me casse pas la gueule. Ah non, mais du coup elle éclate la gueule de Milou. Bien. Majeur, je sais même pas à quoi ça sert. J'ai plus ou moins compris, puis j'ai oublié. Merci! Ah! Where did he flee, my sweetings? Putain, une citrouille! Ridicule! There are books and light. A plenty, did a not. C'est officiel, c'est Lox la meilleure. Oh, ça on le savait. Faites-vous renaître et devenir l'un de mes petits, tout juste sorti de mon œuf doré. Non! Oh, je peux modifier mon apparence, on est un appétit. Tout ça pour ça! Je déteste. Ah là là! En tout cas, j'ai bien fait de prendre cette épée. Je suis assez contente que ça ne m'ait pas servi à rien. Assez contente. Un coffre! Verrouillé. Tout. Mais la clé! Je l'ai gagné, la clé! Vous voulez la taper? Ça veut pas. Voir la clé. Adam, be not alarmed. La clé. Oh, j'ai pas la clé. Oh, je suis triste, honnête. Mais quelque part. Je vais même pas casser avec mon épée là. Je suis obligé de faire des roulades pour pouvoir tout péter. Ça me prend plus de temps. J'ai pas la clé. Et merde. Il y a quoi derrière elle? À part un coffre. Le coffre, j'avais déjà vu toute façon. Et là, voilà, on va voir elle. Voilà, donne-moi une clé. S'il te plaît. S'il te plaît. Ah, j'ai pas la clé. Putain. Voilà. Un peu comme Sonic, une sorte de rebelle des temps modernes, quoi. Bon, on va très bien. Je l'avais pas fait descendre cette fois. Vous avez vu comme j'étais confiante. Putain. Il est arrivé. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. J'ai voulu ranger mon épée. Réflexe de X encore.
Réflexes de jeu auxquels j'ai pas joué il y a 20 ans, mais c'est quand même les réflexes quoi. Je peux péter! Je peux tout péter! Quoique. Oh, je peux ouvrir ça? Belle! Encore trop à explorer ici. Ah oui, je voulais tester le TP. Maintenant qu'on a fait la boss. Tu me donneras la clé? Attends, avant. Voilà, c'est bon. Je vais aller. Et oui, je me rappelais qu'il y avait le petit TP. On va tester le petit TP. Et on va voir ce qu'on n'a pas fait de l'académie. Puisque je pense que c'est un truc que j'ai pas vu. La preuve était porte fermée. Journia, contrer la custe. Église des vœux. Coucou toi! Vous êtes sans éclat. Ça, vous êtes la bienvenue à l'église des vœux. Je me nomme Muriel, intendant de cette chambre sacrée. Veuillez m'excuser pour l'état de délabrement des lieux. Connaissez-vous l'histoire de cet endroit? Non! L'origine de son nom, l'église des vœux? Je ne connais pas l'église des vœux. Voilà qui m'attriste. On ne saurait vous le reprocher. Depuis l'éclatement, nous avons tous perdu de vue une chose, la plus importante. C'est ici même, dans l'église des vœux, que s'unirent les grandes maisons de l'arbre monde et de la lune. Oh non, me parle pas de lune, hein! Ouais, j'en ai plein la lune, hein! À les liens sacrés du mariage entre Radagon à la chevelure ardente et Renala de la pleine lune. Oui, bah, j'en ai compris! Ainsi, notre église jouit d'une vue sur les monuments des deux maisons. L'arbre monde de la capitale et l'académie de Rael Ukaria. Ouais, bah, l'arbre monde, on le voit de plus loin. Vous fallait quelque chose? Je vous prie, faites comme chez vous. Je vous guiderai volontiers, mais mes jambes ne sont plus ce qu'elles étaient. Si vous trouvez quelque chose d'utile, n'hésitez pas à vous en servir. À moins que je ne sois en quête d'instruction. Tel est le cas, je vous ouvrirai tout mon savoir. Oh, open your soul. Oh, sorcellerie! Ah, je fais incanter des... Oh, j'ai 40 000! Je veux juste de m'en rendre compte. Je veux incanter des trucs. Un seau qui tire des lames éclats après un certain temps. Ah oui, ça je l'ai vu je crois sur un live où ça fait tchou 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 et après ça fait tchou 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 tchou. Hey, silence. Passer une attaque large à l'aide d'un espadon magique. Tortue de l'histoire sans fin, tortue ninja. Ouais, vous pouvez faire mieux. Bah ça, je vais l'acheter déjà. L'épée, je pense pas. Oh, y a un coffre. Aiguille de couture en or. Nécessaire de couture dorée. Oh, mais qu'est-ce que c'est ça? Nulle absolution requise. Absolution requise. Ah! Je vais pouvoir expier ici. Oh! Super! Is there something else? On va demander des infos sur. Donner un parchemin à propos de Radagon. On va demander à Radagon. Je vais en apprendre davantage sur le seigneur Radagon. Radagon! Seigneur Radagon était un grand champion. Doté d'une longue chevelure flamboyante. Il arriva dans cette contrée à la tête d'un immense hoste doré et croisa le fer de dame avec dame Renala. Toutefois, elle se repentit promptement de son invasion et prit pour épouse la reine de Caria. Mais lorsque Godfrey, premier seigneur d'Elden, fut banni de l'entre-terre, Niel, cette tortue. Radagon quitta Renala pour s'en retourner à la capitale de l'Arbre Monde et devenir le second époux et roi consort de la reine Marika. Oh le bâtard! Ainsi lui eut le titre de second Gepalu. Aujourd'hui encore, le mystère demeure. Pourquoi le seigneur Radagon épuya-t-il de la sorte la reine Renala? Mais parce que à pas de la gloire, du pouvoir. C'est incompréhensible encore. En quoi une simple vue. Au bout de Renala.
une reine matriarche de la famille royale. De... Ouais, bah, elle est un peu dead maintenant, hein. Rien à battre. La glorieuse sorcière de la pleine lune, à la beauté envoûtante. Mince, j'ai appuyé. Quand l'académie s'insurgea contre la royauté, elle fut confinée dans, dans la grande bibliothèque. Ah oui, d'accord, je vais le relire. Ah, ça parle de l'œuf. Désormais, elle se consacre pleinement à cet objet à travers un rituel interdit, l'art sinistre de la réincarnation. N'oubliez jamais cela. Rompre un vœu, le plus sacré de tous les liens, peut entraîner des conséquences dramatiques. Hein? Je leur demande sur Radagon. Figurez-vous qu'il se raconte que le seigneur Radagon avait un secret. Un illustre sculpteur de la capitale de l'Arbre Monde aurait été chargé de réaliser une statue colossale à son effigie. Ce faisant, il aurait pris connaissance de ce que cachait le roi consort. Et la grande statue elle-même serait dépositaire de ce secret. Oh, trop stylé, dis-moi en plus. Figurez-vous qu'il se raconte que le seigneur Radagon avait un secret. Ah, il répète son secret. Ok, ok, c'est bon, j'ai compris. Dis ça. C'est un parchemin. Prenez le parchemin du cursus. Bah oui, je lui donne. Trouvons-nous là. Eh bien, prenons ensemble. L'hérésie n'est pas inhérente au monde. Ce n'est qu'un artifice. Toutes choses peuvent s'unir. C'était ça? C'est ça que j'ai appris? Merci. J'ai filé un parchemin qui avait l'air super important. Il faut de la foi pour l'incantation. Et du coup, ça c'est quoi? Rafale stellaire. Ça coûte une blinde, mais je vais peut-être prendre, hein. Ça traque l'ennemi, ça peut être trop bien. Mais ça met du temps. Mais ça coûte 10 000. Oh, 12 000. Une comète magique. Oh, ça a l'air trop cool. Oh, attendez, j'y viendrai plus tard. Là, j'ai peur de faire des bêtises. Le titre de second, j'ai pas lu. Bah oui, j'ai le temps. Je complète comme je peux. C'est ravissant ici! Allez! On va prendre un petit level. En esprit. 7000. Oh! On va prendre encore un niveau! En intel. Faut que j'aille voir le dragon dont vous m'avez parlé. Je vais y aller d'abord. Après on verra un petit peu si on dépense, dans des sorts. J'en ai acheté un déjà. Est-ce qu'il y aura un truc? Je vais mettre un point ici moi. Et mettre un repère. Des diamants. Mets des diamants partout, ça n'a plus de sens. Église des vœux, de toute façon ça s'appelle Église des vœux, je me rappellerai bien. En plus c'est pas très loin. Enfin c'est ici. On va finir d'explorer l'académie. La bouche bouge pas. Mais c'est une tortue, elle est magique de toute façon. Elle pense et quand elle pense, j'entends ce qu'elle pense, je pense. Ah! Je suis tombée. Oh putain, t'es l'air trop vénère. Défonce, mec. On fait un petit dodo. Du coup, je sais pas la bonne. Église du coucou. Grande bibliothèque, voilà, c'est ça. On va partir de la grande bibliothèque, on va voir ce qu'on peut explorer depuis là. Oh, je bosse demain. Ah oui, il faut bien. Ah oui, là, je peux pas taper. Ça me frustre énormément. Alors, j'avais tout. Casser ici. Voilà. On descend. Non, je jette pas de pommes sur les tortues.
Non, la tortue ne parle pas avec son cul. Oh, arrêtez, hein! Du portable! Je crois qu'il y avait un truc. J'avais pas ramassé tout au bas de l'escalier. J'ai pris dans ma gueule, là. Enfin, une petite popo. Tout à l'heure, mais je fais gaffe. Enfin, j'ai ouvert à quoi. Is ok, j'ai pris. Oh, je vois pas remonter. Alors, bon, ça c'est fermé. Je vais essayer d'ouvrir toutes les portes au moins. Donc d'explorer tout. Alors par ici, il y avait un petit jardin avec un gars qui était là. Oh, mais je peux passer là. Ah, mais voilà. Là, je découvre des trucs. Là, je peux ouvrir cette porte. Voilà. Ouvre-en qu'une à la fois au pire. C'est plus dur. Si elles sont castrées l'une dans l'autre, mais je crois pas quoi. Pas casser des cages. Ah d'accord. C'est discret, si si. Et toi, une nulle. Qu'est-ce que c'est que ça? On va aller de l'autre côté. Trop discrète en fait. Qu'est-ce que vous faites ici? Ah, ça a pas crit! Désolé, je déconne. Dégage! Je suis tranquille! J'en ai fini. Ah, c'est pas vite. Qu'est-ce qui se passe ici? Je vais mettre en dessous. Ah, oh, c'est eux qui envoient des boulets! Je vous déteste. Ah, oh, il y avait un coffre, j'avais pas vu. J'ai raté le coffre? Carabée, pierre d'éclat? Carabée de pierre d'éclat. Qu'est-ce que c'est ça? J'ai un petit truc.
Et je peux améliorer mes popos, qu'est-ce que j'attends là? Ça permet de perfectionner la renaissance. Mais pourquoi? Là j'ai hein. Faut que je les combine, non? Chercher quoi déjà? Oh, scarabée de pierre d'éclat. Permet de modifier les tenues des demi-dieux auprès du site de grâce. Les tenues des demi-dieux? C'est qui les demi-dieux? C'est moi? Moi, je crois que c'est moi. Ça me paraît très logique. Légèrement le coût en PC des sorcelleries. Ça augmente les dégâts subis. Mais c'est naze, hein. Moi, je trouve ça naze. En tout cas, j'ai bien avancé. Et du coup, il n'y aura plus de boulet sur ma tronche. Pas que si, peut-être, parce que le portail, il est toujours là. Attendez, j'ai rien pu faire pour le portail. Oh, dingue. Pas fou ce qui se passe. Bon bah ça c'est fait. Je commence à avoir fait plein de trucs. Je vais même voir si du coup c'est bon. Il n'y a plus de boulet. Il n'y en a plus. Ça fait un peu peur. Qu'est-ce qu'il reste à explorer ici? Il est dead. Les autres, je les tue pas. C'est juste pour bien qu'ils s'alignent. Bah ici, je connais. Oh, c'était le toit. C'est ça qui me manquait. J'attaque celui qui m'attaque! Attaquez pas! Alors le toit, j'étais morte en explorant le toit parce que c'est pas très pratique. Le pixel m'a protégé. Pixel protect me. Ah, je me rappelle. On va explorer le toit. On va finir dès l'explorer. Faut juste pas que je tombe, ce serait mieux. Ça, bah je meurs pas et hop. Oh, bien. Oh, y avait eux. Oh, ils sont trop chiants, eux. C'est trop foufou. Là. Pas, franchement, non, pas de freeze au bord d'une corniche, vraiment, c'est pas le bon plan. S'il te plaît, please. S'il te plaît, don't. Ah! Pourquoi aussi l'autre connasse a fait un pas en avant immense pour taper? Je me rappelle, il y avait des trucs qui volent. Une mana. Ça lag. Ça me fait pas si mal. J'ai cru que j'allais vraiment prendre super cher, mais ça va en fait. Oh, je t'ai vu.
Another one. Non mais stop les lags. On les freeze. Et c'est trop pas drôle. Bon, c'est pas drôle. Mais comment je vais à la suite? Comment? Descends sur ce toit là? Que ça, hein. On va le faire. Et on se TP. Hein. Pas lui, lui. Descends là du coup. Eh oui. J'ai bien qu'il y avait un petit creux là. Je crois que c'est comme ça que je suis morte la dernière fois. Oh, il a fort lui. Ah j'ai plus de mana, c'est pas l'eau. Un moment. Mais encore? Stop les freeze! Sérieux, c'est le pire moment! Stop! Pas ici, please! Don't. J'ai rien là! Windows Update me pissait dessus en redémarrant. PC. Ah ouais. No care, hein. Redescends sur les toits là. Ils sont beaucoup hein. Et il y a ça. On va prendre. Oh mais il y a ça aussi. Je vais aller même sur ce rebord. Ouais. On va là. Oh, y'a un truc derrière, non? Non, mais un jour je trouverai des trucs derrière des caisses, c'est sûr! Un jour! Non, j'étais arrivée là! Je me rappelle, et y'avait même rien! Pas beaucoup le choix hein, en fait! Après, une fois là, je vais où? Bah voilà, je aide! Je peux rien faire, je suis obligée de remonter, mais une fois remontée, bah je sais pas. Remonter. Attends. Avant, une fois à l'intérieur, est-ce que je déclenche un truc en hauteur? La caméra ne monte même pas assez haut. Donc, on va dire que non. On va dire que c'est mort. Je voulais viser le petit crabe qu'on voit au bord, mais je veux pas. Vu que toi. Voir l'autre côté avant. Y'a R. Ah là là, y'a méchant. Arrête d'être méchant. Où là? Tout sort de l'académie. Alors,
Malheureusement, il est au cac. Je commence à avoir un peu de... Un peu de ruines, hein. On va faire nawak, on va faire nawak. Et j'ai visité ça. Ensuite, qui sont fait ou voit. Ah oui, l'échafaudage. J'ai vu. Plus de magie. Allez, vite, vite. Oh. Je joue ma life. C'est trop dur, c'est trop oppressant. JPP. Aller sur le truc. Oh, mais là en hauteur, il y a des trucs en hauteur. Ça m'intéresserait aussi d'y aller. Mais avant l'échafaudage, il m'intéresse. Yo, juge pour de rien. De toute façon, je vais arriver au même endroit que si j'étais descendu sur le chandelier. Mais au moins des de peur de. Ah, il fait mal. Masque pierre d'éclat du sorcier bicéphale. Alors, fais voir ce masque. Moi j'avais celui-là, il y a celui-là. Ah, c'est les deux. Deux mêmes. Ah non, ils ont pas le même bonus intel. Ouais. L'autre il a un 6 de bonus intel quand même. Un qu'un 3, un qu'un 6. C'est pas mal. Bon, ça commence à devenir intéressant. Mais bon, ici, je me sers pas beaucoup de l'intel. Ah ! Dans les gigasos. Vas-y, je le tente. Non ! Ah, je me déteste tellement. Mais je fais comment pour retourner là, moi ? C'était beaucoup trop long ! Oh, mais regardez comment je suis trop loin. Je dirais pas, hein, parce que c'est dans l'église du coucou. Mais l'église du coucou, c'est quand c'est tout en bas. Pour monter, c'était l'enfer. À moins qu'il y ait un autre moyen de monter. On va vérifier quand même. C'est jamais, hein. Ah, c'était ici. Oh, un mob en plus. Ils sont tombés tous là, c'est gosse. Perso, arrêtez de viser à un moment, c'est du mot. Bon, oui. Je me merde. Oh, il y a une échelle. Putain, j'aurais pu activer l'échelle avant de crever comme une merde là. Je l'ai pas fait. Merde. Les runes, bah ouais, j'ai récupéré quand même. Récupère, j'active l'échelle et après je m'en fous. Et où le plus proche ? La bibliothèque ? J'ai une bonne config, au bout d'un moment, faudrait qu'elle me serve. Et minuit, bonne nuit.
Alors, par où je passe déjà? Ça va ouvrir cette porte, en tout cas. Elle est là. Ouais. C'est par où le plus simple, le plus court pour atteindre les toits? Elle est frise, je commence à en avoir vraiment, vraiment très, 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 très marre. Déglingué. Ah! C'était un petit peu... Ah oui, c'est à droite ici. Merde, bordel. C'est les murs qui me tuent. Crever à cause de ceux qui sont super loin, j'en ai trop marre. Bon, on se dépêche. Ouais, on se dépêche comme on peut, quoi. Je vais pour me permettre de laisser lui en vie avec son arc et l'autre avec sa portée de ouf. On se voit qu'il est trop foufou. Non, il m'aurait tué. Je monte ? Montais tout à l'heure ? Oh, j'ai déjà oublié, c'était trop long comme chemin. Oui, je suis montée. I remember. Oh, mais c'est lui que je veux. Je galère beaucoup trop. Ensuite, c'était quoi? Là, pareil, ce toit là, je ne sais pas du tout comment y aller. Je vais monter au lierre. Je vais tenter. Je peux pas. Je peux pas. Je vois pas comment l'avoir ce truc. Ça, c'est pas ici. Pour me frustrer parce que le jeu il sait que je suis obligée de descendre, mais il me met un truc bien en hauteur. Je me dis oh, mais je veux trop. Et le jeu il te dit niqué. Après c'est par où, je sais plus. Pas le bon chemin. J'ai trompé. Ah, il m'est sorti par la bite, celui-là. C'est Wormson. Merci. Mais c'était par ici, bordel, j'avais juste à descendre. Pourquoi je peux descendre? Je suis cœur. Là, je sais pas. Bon, j'ai besoin. Descends, je suis trop basse. Oh, il s'est suicidé. J'ai nul. Et là. Ok. Oh, c'est gentil, il me met mes runes ici. Et franchement, elle est où l'échelle? J'ai pas vu. J'ai pas vu. Ah!
s'en fout. Non, toi t'es méchant. Je savais pas ça. Un labyrinthe. Ah ouais, c'est... Mais là, maintenant, ça va être beaucoup plus simple parce que j'ai ouvert un passage pour le bas de la salle. Alors, ce qui est chiant dans cette salle, c'est qu'il y a du monde à chaque fois. Mais au moins, je serai vraiment pas loin d'un feu. Pour respawn. Ou pour me TP. Donc voilà. Ça sent le piège. Hein. Sur les côtés, il va y avoir des emmerdements, c'est sûr. Ou en bas. Oh, dans les fenêtres. Par les fenêtres. On va passer par les fenêtres. Je vois bien, je disparais là. Oh là là, le spammer. On va se TP du coup. On va aller... Bah c'est lequel... Du coup, ouais c'est ça. Niaise, mais c'était violent. N'attendez pas. Bride au jet. C'est impressionnant. Voilà. Alors le seul truc c'est qu'il faudrait que je monte à l'échelle sans me prendre temps pour me prendre plein de fion. Non, je vais crever. Je vais crever. Putain, je vais être obligée de nettoyer à chaque fois. Non mais vise-le. Ah, j'aurais que cela à faire. Ah. Bah oui, tu restes avec nous, mais oui. Où c'était? Moi aussi, je vais être obligé de les faire. Non, c'est pas celui-là que je vais. Ah, je suis dégue. Par contre, ça, oui, vite! Combien j'avais, mais c'était plusieurs milliers en tout cas. Bon bah on ira pas à Kalor ou je sais plus quoi, ou Célide. Aujourd'hui, on n'ira pas voir le dragon aujourd'hui. Trop marre. Ok. Vas-y, fais toutes tes frises maintenant. Non, j'en sais rien. Tant pis. Hein. Quand on perd un jeu, on perd notre stuff. On perd nos... C'est comme si on perdait de la monnaie. Monnaie qui sert à la fois de... à level up. Bon, ça va? Super. J'ai essayé de les viser, ça n'a pas voulu.
Il faut la récupérer. Avant de remourir. Non, c'est fromage. Bien. J'adore. Oh, c'est meilleur moment. J'ai pas voulu. Horrible quoi. J'arrive même pas à faire un sort. Je voudrais juste passer. Ou alors je passe en courant mais il m'éclate tellement la gueule que j'y arriverai pas. Mourir sur les ZAD, c'est bien, bien pire que de mourir sur les... Sur des mobs. Sur des boss, je veux dire. Voilà, lui. Avec une épée qui mesure 10 mètres, c'est ridicule. Cherche à compenser quoi, Nulos. Putain, hé, l'escalier te fout un endroit. Vraiment magnifique quand même. Ah ! Allez, on prend tout de suite une popo. On s'en fout. On le vise. Ah, c'est ça que je devais faire tout à l'heure en fait. Et qui est là? Qui fonce tout moi? Qui t'a perdu toutes mes runes? Attends, éclat d'azur. Oh! Putain, je vais tout péter! Notamment un câble! Bon. Ok. Casse tout, ouais, casse tout. Attends, machin. Bâton... Du quoi? Bâton déclaqué. J'ai un bâton d'éclat, on est d'accord. Il était stylé en plus, il était beau. C'est un bâton d'invocateur. Ah non, il faut de l'un... Oh, il faut 52 dentelles. Ça va être bien, j'espère. Et là, il est moins bien, mais... Il n'est pas amélioré. Oh, il a un bonus de sorcellerie de 60, mais c'est à chier, ça. Wow. Rien. Il n'a pas l'air dingue, en fait, mais il est très beau. Moi, je sais pas. Je vais le garder, hein. Je comprends peut-être pas trop comment organiser ces bâtons. Bon, on commence à avoir nettoyé un peu tout en vrai là. Là en vrai, il est ok. Là, je crois que j'ai tout fait dans l'académie. Enfin, à peu près. Ouais, mes runes à récupérer. Mes runes de zéro. On s'en fout. Allez. On va aller à l'église. Je vais dire bye bye à la VOD. Au revoir VOD, des bisous. C'est tout.